Salut les gens, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tour de magie expliqué, un petit effet flash visuel que vous pourrez faire n'importe où. Et donc pour réaliser ce tour, vous allez avoir besoin d'une paire de lunettes, et de préférence des cheveux un petit peu longs. D'ailleurs j'y pense, il faudrait que j'aille un petit peu chez le coiffeur là. Alors pour réaliser cet effet d'apparition de lunettes très flash et visuel, regardez bien, vous prenez votre paire de lunettes que vous allez placer sur votre tête, comme ceci. Alors vraiment en arrière, vous voyez, vous avez les branches ici là, à ce niveau là, qui sont calées derrière vos oreilles. Et si vous vous tenez droit face à vos spectateurs, ils ne verront pas les lunettes parce que les cheveux passent devant. Et tout simplement parce qu'elles sont légèrement en arrière, du coup on ne les verra pas. Dans cette position, vous êtes quand même libre de vos mouvements parce que les lunettes en fait tiennent quand même, elles sont quand même tenues par les branches. Et à partir de là, ça va être vraiment que de la mimique, du jeu de mouvement et de la synchronisation avec vos mains. Vous attirez l'attention sur les mains, comme ceci, vous jouez un petit peu sur les mouvements secs pour donner l'impression que vous cachez quelque chose. Vous faites rapprocher vos deux mains comme ceci, vous vous approchez du visage. Là, vous montez une première fois, jusqu'ici. Vous regardez les spectateurs, vous revenez, comme si vous allez les faire apparaître, et hop, vous recommencez. Là, vous allez aller légèrement plus haut, les pouces vont tout simplement être en contact avec les lunettes, pour ensuite, quand vous allez redescendre, là, je redescends avec la paire de lunettes, je positionne devant, et boum, je fais apparaître. Donc vraiment, hein, vous attirez l'attention, vous mettez devant, on passe, on fait une première fois, un faux, on redescend, deux, là, je suis en contact avec les lunettes, je redescends avec, trois, je produis, et je me recoiffe si possible. Vous l'avez compris, c'est un petit tour impromptu, une petite technique pour faire apparaître des lunettes. C'est toujours rigolo à faire sur la plage ou n'importe où en fait. Je vous conseille vraiment de le travailler devant un miroir, hein, pour vraiment avoir le bon angle, le bon mouvement et pour bien maîtriser la chose, pour bien cacher les lunettes quand elles apparaissent. C'est super marrant à faire entre deux tours de magie, histoire de descendre dans l'atmosphère. Vous commencez, hop, faites apparaître des lunettes et ensuite vous enchaînez avec un autre tour, un vrai tour cette fois. Donc voilà, je sais que la vidéo change par rapport à l'habitude, il n'y a pas de carte, il n'y a pas de pièce. Mais ça reste un petit effet, plus une petite astuce en fait, hein, plus qu'un tour en lui-même. Mais voilà, ça change un peu, on n'a pas besoin de matériel sur soi, les lunettes. Tout le monde en a en général, surtout de soleil. Et puis c'est le début d'été, je suis sûr que vous allez vouloir essayer de le faire devant votre miroir, c'est obligatoire. En tout cas, si toi aussi tu vas essayer de le faire devant un miroir, n'hésite pas à me mettre le gros pouce bleu pour me remercier. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. N'oubliez pas que vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux tels que Facebook, Snapchat et Instagram. Je vous remercie, on est de plus en plus nombreux sur la chaîne, bientôt 19 000 et 19 000, ça veut dire qu'il y aura bientôt un nouveau concours. Et sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao! Oui, la vraie question, c'est quelle était la couleur des dos des cartes? Ah, là on réfléchit.